remportera ce sprint final. Le classement général après 11 sprints intermédiaires. Nathalie Valentin, 18 points. Devant la Russe, Svetlana Samokvalova et ses 14 points. Lucie Tyler Sharman est troisième avec 13 points. À égalité avec l'autre favorite de cette course, Ingrid Haringa, la néerlandaise. Cinquième place pour la surprenante salvadorienne Maureen Kaila avec 11 points. Maria Lorenz, la britannique, qui essaye de s'échapper alors qu'il ne reste plus que 6 petits tours dans cette course au point féminine. 6 tours et un sprint qui comptera double avec Nathalie Valentin et Valentin qui a 4 points d'avance sur Samokvalova. 5 points d'avance sur Tyler Sherman et Ingrid Haringa. Autant dire, rien n'est gagné pour l'instant. Et ça s'active en tête de peloton avec Samokvalova qui tente quelque chose là devant Cristopoli. L'Espagnol Bengoa est également en tête de peloton, mais le peloton qui se regroupe là. On va avoir un sprint massif sans doute. Vous voyez Ingrid Haringa aux côtés de Lucie Tyler Sherman en tête de ce peloton. Nathalie et Valentin qui est juste derrière ces deux rivales. Et plus que quelques tours avant le sprint final qui comptera double, je vous le disais tout à l'heure. 10 points pour la première, 6 pour la deuxième, 4 pour la troisième et 2 points pour la dernière. Et vous entendez la clochette, il ne reste plus qu'un tour dans cette course au point féminine. Tyler Sherman qui prend l'ascendant devant Nathalie Valentin. Ingrid Haringa est en troisième position. Toutes les grandes favorites sont là pour se disputer la médaille d'or olympique. Tyler Sherman en tête devant Valentin. Mais c'est Ingrid Haringa qui s'impose dans ce dernier sprint final. Et ça veut évidemment dire que Nathalie et Valentin remportent la médaille d'or de cette toute première course au point féminine. Ingrid Haringa qui s'impose sur le dernier sprint de la course. Mais regardez ce sourire, regardez ce grand moment d'émotion pour Nathalie et Valentin qui décrochent la deuxième place de ce sprint, de ce dernier sprint, mais la première place au classement général de cette course au point. Médaille d'or pour Nathalie et Valentin, médaille d'argent pour Ingrid Haringa, médaille de bronze pour Lucie Tyler Sherman, l'Australienne. Énorme performance là par Nathalie Valentin qui débutait cette course en véritable outsider aux côtés de Ingrid Haringa